Salut, bonjour. J'espère que vous avez entendu parler de Monsieur Cyrus Parsa, le docteur, a priori. Vous savez, aux États-Unis, on est docteur dès qu'on a un diplôme. C'est Herr Doctor. Bon. Lui, c'est un brave gars, super. A priori, super. Il a fait plein d'études diverses. C'est une pointure en intelligence artificielle. Mais il a aussi fait d'autres trucs dans sa vie, et notamment, par exemple, des arts martiaux qui lui ont permis de développer ses corps énergétiques et son extrasensorialité, la perception extrasensorielle, hein. L'ultravision, l'ultra-ouïe, l'ultra-odorat. Enfin bon, a priori, quoi. Et ben, comment dire? Ce sont quand même des attributs qui vous aident par la suite dans votre interprétation de ce que vous vivez et dans la réalisation de ce que vous entreprenez. Mais enfin, ce n'est pas tout à fait le sujet, là. Là, il se fait interviewer par madame ou mademoiselle Sarah Westall. Et qui va l'allumer, oui. Excusez-moi. Non, elle ne va pas l'allumer. Et je voulais passer celle-là d'interview parce que j'en avais une autre de Kerry Cassidy. Mais à la lecture des commentaires, je crois qu'on va se passer des interruptions constantes de Kerry Cassidy qui se ramène toujours au milieu du sujet et qui ne laisse jamais finir les gens dans leurs phrases, dans leurs intentions. Sous prétexte, pardon, que elle sait leur tirer les vers du nez. Ouais, bon. Ça finit par être lassant, irritant, d'entendre la personne qu'on aimerait bien entendre s'exprimer, quoi. Constamment coupé par Yes, but my ideas are. Yes, me too. I am special. Aïe, 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 aïe. Donc, on va se faire la version par Sarah Vestal. Mais c'est deux fois trois quarts d'heure. Hein, donc, si ça se trouve, on ne va pas se taper les deux fois trois quarts d'heure. Hein, surtout si je fais des encarts. Mais bon, il faudra quand même passer par la version Kerry Cassidy, quand même, il me semble. Parce que. Elle fait une relation plus directe exopolitique avec des entités d'aigris qui seraient derrière le Parti communiste chinois, le PCC. Et on peut comprendre, oui, qu'il y a une certaine corrélation entre le communisme et l'aigris, la société d'aigris. Et puis, bah, c'est une des sociétés de gris, on va dire. Mais il y a un commentaire qui disait, il faut différencier le communisme du satanisme. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les hautes sphères du PCC, si eux aussi ils font des sacrifices et tout ça. Je ne suis pas sûr hein, que le communisme autorise la dévotion à autre chose qu'en le chef du parti. Je ne suis pas sûr. Tandis que les satanistes, eux, oui, eux, ils ont des dévotions au-delà du chef de leur pyramide de la hiérarchie. Hein? Ah, pardon. Enfin, commençons. Donc, on va la supporter. Hein, un site sur patreon.com/Sarah Vestal, que vous voyez ici écrit à l'écran. Hein, donc. En plus gros, en plus petit. Donc voici la première partie de son interview du docteur Cyrus Parsa, qui globalement, le docteur Cyrus Parsa, met en garde contre l'invasion de l'humanité par l'intelligence artificielle. Bon, vous comprenez, vu que moi, je me sers aussi des sources qui ont vu les entités derrière les ingénieurs humains, à peu près. Enfin, à une époque, ils l'étaient. Qui ont, techniquement parlant, mis en place l'intelligence artificielle, comme ils ont mis en place le virus dans les laboratoires, comme ils ont mis en place la 5G, et qu'on a vu les entités derrière eux, derrière leurs intentions.
Et on a même vu dans les grands conseils de ces gens-là, là, quand ils décident de ce qu'ils vont faire pour le reste de l'humanité, c'est des privés, hein. On en a vu qui n'étaient pas vraiment humains. Mais bon, ça, on parle là au niveau ésotérique, éthérique, ou bas astral peut-être plutôt. Alors, il y a des gens qui ne savent pas que ça existe, et qui nient que ça existe, qui disent qu'on a fumé la moquette. C'est très fort. C'est le genre de gens dont j'aimerais bien avoir la version de l'explication des rêves. Hein? Enfin bon, comment dire? Voilà, une fois de plus, des fois on parle de la même chose avec des mots différents, ou on parle de choses différentes avec les mêmes mots. Et ça crée des confusions. Donc, il faut mettre ça au clair de temps en temps. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, voici Monsieur Cyrus Parsa. Alors, dernièrement, sur le site Ciel Voilé, je crois qu'il y a eu une petite traduction d'un bout de son interview. Mais bon, il était passé sur Projet Kaamelott il y a, je ne sais pas, 6 mois, je crois. Et il a un site internet qui s'appelle The AI Company, je crois. Non, c'est The AI Organization, celui-là. Et d'ailleurs, le titre, c'est Le plan, intelligence artificielle, le plan pour envahir l'humanité. On aurait peut-être pu traduire celle-là simplement. Je ne sais pas. Et donc, ça fait quelques mois qu'il a bâti son site, et c'est tout en anglais à peu près. Mais il traite de tout. C'est un scientifique, on peut le dire. C'est un technicien, un scientifique, qui a priori ne tient pas vraiment à parler des autres entités alentour, parce qu'il constate évidemment que ça va décrédibiliser son message. Mais lui, grâce aux capacités extrasensorielles, on va dire, qu'il a acquises, il a bien vu ça. Mais voilà, il est obligé de garder un discours, comment on va dire, de blaireau, de docteur, technicien, pointure, mais blaireau, ben parce que limité aux physiques 3D et sans aucune notion éthérique, ésotérique, occulte, énergétique. Ce qui est vraiment lamentable au troisième millénaire de la part de techniciens qui mènent notre société tout entière, finalement. Hein. C'est eux qui mettent les choses en place, là. S'il n'y avait pas des ingénieurs en train de bâtir la 5G, il n'y aurait pas de 5G. C'est clair, quoi. Hein. Ce n'est pas moi qui la ferais, je ne sais pas le faire. Donc, il faut quelqu'un qui sache le faire et quelqu'un qui admette de se faire posséder, en plus. Alors, le font-ils d'eux-mêmes? Le font-ils non? Est-ce que ces gens-là ont fait des introspections? Est-ce qu'ils ont constaté que c'était leur ego qui les poussait à vouloir être le nom du scientifique qui a inventé tel truc? Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'on ne peut plus rien pour condamner Pasteur sur Pasteur. On pourrait tout juste rectifier les dégâts qu'il fait encore, puisqu'il est adulé par plein de toubibs, des abrutis. Des abrutis qui n'arrivent pas à comprendre que les métaux lourds, si on les enlève de la peinture des murs pour éviter que bébé n'en bouffe les écailles, c'est pas pour le mettre dans les vaccins ou dans les jouets des enfants. Oui, dans les jouets, il y a aussi des praxènes ou d'autres plastiques qu'on retrouve dans les vaccins. Oui, si c'est toxique dehors, c'est pas la peine de directement l'injecter dans un corps en plein développement. Ils n'arrivent pas à comprendre ça, j'ai l'impression. Hein? Non, non, ils ne comprennent pas. Bon, il commence à y avoir des docteurs qui se réveillent là. Ils ont constaté qu'il y avait un petit problème avec la gestion du Covid. Ils sont tenus par les roustons, par le Conseil de l'Ordre. S'ils ouvrent leur gueule, on les sac. Ils n'ont plus le droit d'exercer.
Ah oui, ils sont docteurs, mais d'un coup, ils n'ont plus le droit d'exercer. C'est comme s'ils n'étaient plus docteurs. Qu'est-ce que c'est que ce racket? Mais c'est incroyable, hein. Et j'ai eu de la chance, j'ai arrêté d'être kiné avant qu'il y ait aussi un conseil de l'ordre des kinés qui vous flique, hein. Il vous interdit de faire de la musique, par exemple, le soir. Vous êtes musicien, vous faites partie d'un groupe rock local, vous animez le petit bal dans les quartiers. Vous n'avez plus le droit. En tant que kiné, vous n'avez pas le droit d'avoir un côté artiste affiché, public. Non, mais c'est grave, hein. C'est gravissime. C'est un fascisme qui date donc il y a quelques années déjà. Oui, ça, le Conseil de l'ordre des kinés, je ne me rappelle plus en quelle année c'était. Vers les ans 2000, là, je ne me rappelle pas. J'y ai échappé, moi. J'ai arrêté avant. Reprenons. Donc, on fait encore une pause par le site YouTube de Cyrus Parsa. Cyrus A. Parsa. The AI Organization. Où on voit un titre comme Coronavirus, la peur du coronavirus crée un champ global digital avec l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, le plan pour envahir l'humanité. 21,5 millions de morts en Chine. Il y a ce nombre-là d'abonnements téléphoniques qui n'ont pas été renouvelés. 21,5 millions d'abonnements téléphoniques n'ont pas été renouvelés depuis la crise du virus. Comment ça se fait? Ils sont où ces gens-là? Savez qu'officiellement, la Chine a moins de morts que l'Italie. Il y a moins d'habitants en Italie que dans la province du Wuhan, simple, à peu près. Mais il y a plus de morts en Italie qu'en Chine, qui a donc vécu cette pandémie depuis, on va dire, début novembre. En tout cas, en novembre, le département de la défense américaine était au courant qu'il y avait déjà des problèmes. Et puis, le docteur chinois s'était déjà fait remonter les bretelles par le PCC en disant, revenez sur ce que vous avez dit à propos de ce virus. Oui, le docteur qui est mort, là, bien sûr. Un de plus. Alors, autre vidéo, comment est-ce que le Parti communiste chinois a menti à Trump et au monde à propos du Covid-19? Autre vidéo, comment est-ce que Elon Musk met en danger le monde avec ses expériences entre l'intelligence artificielle, la 5G, les cyborgs et ses relations avec la Chine. Il y a aussi les relations de Bill Gates avec la Chine. Bill Gates est en train d'engueuler les États-Unis et Trump pour son attitude politique vis-à-vis, enfin ça. Ça. Distanciation, non. Sa défiance vis-à-vis de la politique chinoise. Bill Gates défie Trump en se mettant du côté de la Chine pour attaquer la politique de Trump. Ah, Bill Gates qui se prend pour un toubib, qui veut vacciner tout le monde alors qu'il a constamment dit qu'il voulait diminuer la population et que grâce au vaccin, ils arriveraient peut-être à une diminution de 10-15%. Quand il dit 10-15%, c'est parce qu'il parle en public. S'il y avait 70% de réussite à la stérilisation des vaccinés, il ne l'aurait pas dit. Vous imaginez? Là, ça aurait fait un impact incroyable. Là, même ceux qui doutent auraient dit, oh, c'est quoi ce type? Non, mais bon, ils ferment tous leur gueule dès que l'autre, il a du pognon en face. Ah, bah oui, ils l'ont acheté. Il les a achetés plutôt. Bon, ce n'est pas le sujet. Oui, quoique, je vois pas comment ça peut ne pas être le sujet. Bon, il n'y a pas 10 000 vidéos hein, chez lui. Hein. Si on regarde toute la page, là. Voilà, ça remonte à il y a 4 mois à peu près. Est-ce que les téléphones portables contrôlent et programment la race humaine? Petite vidéo de 25 minutes. Est-ce que la 5G est pour les machines, pour les humains ou pour l'intelligence artificielle? Google peut esclavagiser l'humanité avec l'intelligence artificielle digitale.
les vrais dangers de Huawei, de l'intelligence artificielle et de la 5G. Est-ce que vos pistolets, vos fusils auraient une quelconque importance avec la 5G, l'intelligence artificielle et la robotique contre eux? Oui, vous faites comment avec un fusil contre un essaim de nanodrones qui interagit à l'instant grâce à la 5G? La 5G qui vous diminue toutes vos capacités et votre système immunitaire, mais là, rien que les capacités mentales. Et vos contrôles et signale que vous êtes en train de réagir et d'avoir telle intention, telle intention, telle intention. La 5G, parce qu'elle permet de relier tous les téléphones portables, les smart meters, la domotique. Et tout ça propose une foule de renseignements que l'intelligence artificielle peut traiter et ainsi vous analyser de pied en cap et en profondeur. Pardon. Les gens sont programmés pour attaquer Trump avec l'intelligence artificielle, Google, les médias sociaux et les smartphones. Comment est-ce que la 5G, le coronavirus, les vaccins et la connexion avec l'intelligence artificielle, comment est-ce que tout ça peut blesser les gens? Et le reste, donc, on l'a lu à peu près. Ouais. Oui, ça vaudrait vraiment la peine de traduire tout ça. Bon, on le fera peut-être petit bout par petit bout, mais d'un autre côté, tout ça, j'en ai parlé aussi. Mais là, on a un spécialiste, une pointure. Une pointure. Hein. Il a écrit plusieurs bouquins, ils sont en avance sur l'époque. Il a d'ailleurs mis en garde Trump. Il l'a vu, Trump, comme futur président, avant qu'il soit élu, bien avant. Il voyait tout ça se décider. Ben, c'est dû à sa position, son savoir, et aussi ses capacités psy. Et expander, comme on va dire, c'est pas exagéré non plus, c'est surdéveloppé par rapport au nôtre, globalement. Qu'en général, on ne développe même pas. Et quand vous en parlez, on vous traite de ouin ouin. Oui, les tarés vous traitent de ouin ouin. Enfin, ils sont tarés, ben oui, ben aujourd'hui. Ne pas vouloir se renseigner sur le chi et toutes ses capacités, avec le matériel qu'on a comme information, c'est porter une tare, donc être taré. Ce n'est pas péjoratif. Là, c'est la situation qui est péjorative. Mais sinon, le terme n'est pas péjoratif, c'est descriptif. Comme un cheval, vous savez, au tiercé, quand il est trop bon, on lui rajoute du poids pour pas qu'il gagne. Oui. Bon, c'est pas le sujet. Allez, les gars, comme on dit, au turf. On y retourne. Il dit qu'il pense qu'il a dû enquêter sur à peu près un millier de compagnies qui traitent de. Alors, je vais vous laisser la file tout seul parce que c'est comme en français. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Vous avez compris. L'intelligence artificielle. Ouais, on y arrive à cette heure-ci. C'est le matin. Non, parce que hein, je fume la moquette, il paraît. J'ai trop fumé la moquette. Ou je traduis des gens qui ont fumé plus que moi la moquette. Je ne le crois pas. Les mecs, c'est comme si quand vous fumiez, vous deveniez délirant. Ah, oh, là, là, je peux pas faire du prosélytisme pour la fumette, hein. Et d'ailleurs, je veux pas en faire. Mais quoi, ça, au début, ça vous fait rire un petit peu exagérément. Hein. Délirer si vous avez de l'imagination, à dire des trucs pour raconter des histoires, des scénarios, imaginer des choses, si vous avez de l'imagination pour. Sinon, on appelle ça l'herbe qui rend bête. Hein, on appelle ça l'herbe qui rend bête. Je vous signale, hein. Et surtout quand on abuse, ben ça, vous devenez avachi, vous avachissez un petit peu de partout, quoi. Non, c'est pas terriblement bon. Un petit peu, ça éveille certains côtés, absolument. Mais au début, au tout début,
Ouais, si je fume un pétard, là, ça ne me fait rien de spécial à part une sensation physique. En fait, aujourd'hui, je bénéficie plus des effets des CBD. C'est la partie qui est employée en médecine comme calmant. C'est un calmant. Ça sert à faire passer les traitements anticancéreux, à calmer le stress. C'est plus efficace qu'à peu près 40 anti-inflammatoires produits par Big Pharma. Et bon, d'ailleurs, aujourd'hui, Big Pharma commence à produire des CBD, mais ils font ça à partir de cannabis OGM. Alors, je me méfierais si j'étais vous. Oui, c'est comme d'habitude, ils interdisent la plante et ils essaient d'en reproduire les produits, mais avec les effets négatifs qui font que, de toute façon, vous allez finir par revenir chez eux pour un autre problème qui sera créé par le médicament que vous avez pris. Oh, il n'y a aucun doute qu'ils soient assez vicieux pour faire ça, ils le font. Rien que les vaccins font ça. Continuons. Les vaccins, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Un vaccin qui fonctionne, ça n'existe pas. 90% des enfants qui ont chopé la rougeole étaient vaccinés contre la rougeole. M'expliquez ça? Vous m'expliquez ça? Regardez vraiment les chiffres depuis le début du calcul des malades et des comptabilités par rapport aux dates où sont intervenues les vaccinations. La courbe descendait et elle continue plus ou moins de descendre, sauf qu'après les vagues de vaccination, il y a un pic qui remonte. Tiens, comme c'est bizarre. Non, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe et c'est un scandale mondial et qui date donc d'il y a quelques décennies maintenant. C'est pour ça que je dis que Pasteur est un criminel de longue durée. Il est déjà mort et continue à faire des morts. Et donc, une solution, intéressez-vous aux travaux de Béchamp, qui lui était biologiste. Alors, Pasteur était chimiste. Puis il était malade. C'était un malade mental et un malade physique en plus. Et puis, de toute façon, au niveau historique, on avait besoin de repolir le blason français après la défaite de 1870. Et les conditions draconiennes que nous avait imposées comme dommage de guerre, la Prusse. Oui, la Prusse, on va dire. On reprend, hein, parce que là, on s'éloigne un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? 5G robotics, La 5G, la robotique, cybernetics, biometrics, la cybernétique, metrics, la biométrique. 500 Chinese and 600 Western companies, including American companies, Europe. Et donc, il a enquêté sur des compagnies américaines, enfin du monde entier, chinoises aussi. Mais là, maintenant, je vais traduire tout seul, en espérant que je ne vais pas bugger encore. Et je m'excuse de temps en temps. Il y a des passages où finalement vous entendez ce que j'écoute, et puis je me chante au moment où je vous le traduis. Donc finalement, vous n'avez plus que de l'anglais. Je suis confus. Si je suis en live direct, j'essaye de vous en parler de ce que j'ai, ce que j'ai pas traduit, finalement, ce que vous n'entendez pas, mais bon. Ça peut m'arriver, vous m'excuserez, s'il vous plaît. Donc, il a constaté qu'il y avait un cover-up, un étouffement de ses affaires, et qu'il y avait même des compagnies militaires qui avaient été employées. Il faut savoir, nous dit-il, que les Chinois on savait que Trump ne travaillait pas contre la Chine uniquement au niveau commercial. Il n'y avait pas qu'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Mais il a conçu les Chinois, la Chine, comme une réelle menace. Car les Chinois jouent sur le temps. Ils disent on est la moitié de la population terrestre, à peu près. Ils sont 1,7 milliard, je crois. Les Hindous sont juste derrière, les Indiens ou les Hindous, les habitants de l'Inde sont juste derrière avec 1,4 milliard, 1,5 milliard, je ne sais pas. En fait, ils sont vraiment très près, hein, en plus. Et ils ne sont pas aussi avancés au niveau technologie que la Chine. Donc la Chine est une menace mondiale. Finalement, ils sont en train de racheter l'Afrique. Ils possèdent une majorité, ils possédaient une majorité de la dette américaine. Ils nous rachètent plein de trucs ici aussi. Ils nous rachètent nos forêts qui ratiboisent. Hein. Ils ratiboisent les forêts ici. Et pas qu'ici, en Afrique aussi, enfin partout. Une grosse catastrophe si on les laisse faire parce que ben, ils n'ont pas la même mentalité que nous. Et en ce moment, les Africains qui sont en Chine n'ont plus le droit de rentrer dans les magasins. Ils sont hyper racistes, les Chinois, en fait.
faut bien l'admettre. Et eux, ils ont le droit de l'être. Ce qui n'est pas malin non plus, hein, on va dire. Mais parce qu'interdire aux Africains de rentrer dans les magasins sous prétexte que quoi ? Que quoi ? Je ne sais pas, mais c'est gravissime, quoi. Donc, il y a des révoltes. L'ambassadeur chinois a été convoqué au Nigeria. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de Nigériens en Chine. En lui disant, vous faites quoi, là ? Non, parce que si vous n'avez pas le droit de rentrer dans les magasins pour acheter à manger, vous crevez la dalle. Alors déjà, que je pense que sortir lors des couvre-feux ou entre deux couvre-feux, ou je ne sais pas comment ça se passe en Chine, ce n'est pas aussi courant que ça. Et si en plus, quand vous vous pointez devant le magasin, on vous refuse l'entrée, il y a de quoi péter un plan. Bon, ça ne va pas arranger les relations entre la Chine et l'Afrique, tout ça, ni entre la Chine et le reste du monde. Enfin, on nous prévoit une guerre un petit peu de l'Est contre l'Ouest, quelque part, avec une intelligence artificielle de l'Ouest contre une intelligence artificielle de l'Est. Enfin, ça, c'est quelqu'un qui, soi-disant, fait du channeling avec une intelligence artificielle du futur, qu'on aurait appelé IBM, je ne sais plus comment. Unimatrix, aussi, on l'appelle. Enfin, c'est un gars un peu particulier, il s'appelle Kossol Ouch. Ce qui, en français, avec un peu de calembour, peut donner Kosselouch. Mais c'est moi qui déconne. Enfin, je ne sais pas si je déconne, mais j'espère que je déconne. Non, parce que lui, il dit que ce sera un monde meilleur. Ça y est, c'est bon, quoi. Il n'y a plus de résistance si on l'écoute. C'est même pas la peine de résister, quoi, a priori. Bon. Sinon, il y a des prophéties qui disent quand même que si on refuse la marque de la bête et tout ça, on sera un peu poursuivi pour chasser, mais qu'on aura un espace de vie quand même. Ça va pas, ce ne sera pas la chasse à l'homme totale. Ce n'est pas vraiment comme dans l'âge de cristal. Moins. Souhaitons-le. Ça, c'est aussi d'autres genres de channeling avec des entités dans des états particuliers, à jeun. Des états de méditation. Avec des gens qui ne boivent pas, ne fument pas. Et des fois au prix de l'ayahuasca. Ce qui, on le sait, nous amène que dans une partie de l'astral qui est maîtrisée par des entités qui n'ont pas notre meilleur en vue. Notre meilleur avenir, notre bien vraiment en vue. Tant que vous êtes dans les domaines astro, que ce soit le bas, le moyen ou le haut astral, et même le bas mental, vous êtes encore dans des situations où, comment dire, on peut vous manipuler de moins en moins, hein, plus vous montez dans le mental, mais il y a des entités là qui peuvent manipuler vos perceptions. Donc, il faut se méfier des renseignements qu'on nous ramène. Et comme en général, ce qui a été channelé comme étant la loi de l'un, par exemple, ben c'est un groupe d'entités. Et il y en a d'autres, hein, de bouquins comme ça, qui nous amènent énormément de bons renseignements, mais aussi avec... c'est des bons renseignements, mais ils sont biaisés. C'est comme les tables d'émeraude de Tautermès Trismégis. Il nous dit plein de trucs très valables, très vrais, très valables. Mais il y a un léger problème quand même. Ben, c'est comme aussi l'enseignement de Jésus, on va dire. Hein? Ouais. S'il faut passer par lui pour rejoindre le Père, mais c'est qui le Père ? Ben, le Père, c'est Anu. Et Anu, c'est un reptilien en chef qui est plus ou moins possédé par une psychosociopathie. Eh oui, vous avez vu l'état de la planète ? Il faut bien dire qu'avec les moyens qu'il avait, il aurait pu faire tout à fait autre chose. Non, mais il n'a pas fait. Il a fait ça, par contre. Il a laissé faire. Et il a lutté. Mais déjà, Jésus a lutté contre. Hein. Il est arrivé, il a viré les machins du temple, il a dit « C'est quoi votre affaire ?» il a dit des trucs à propos des anciens dieux, enfin de l'ancien dieu. Il y avait, je crois, qui était vénéré. Il a dit que c'était du n'importe quoi, ça c'est clair. Hein, que j'en ai compris. Ce que je m'en rappelle. Oui, donc... voilà.
Il y a des bons trucs, mais à la fin, ça tourne mal. Je vous donne un itinéraire pour arriver jusqu'au but. Mais quand vous avez suivi mon itinéraire pour arriver jusqu'au but, je vous ai fait passer par des coins où vous êtes fait irradier et vous ne le savez pas. Genre, c'est une allégorie là que je vous fais, la métaphore. La métaphore ou la parabole ? Bon, vous avez compris. Reprenons. Donc, avec déjà le réseau de 4G, les gens étaient mobilisés et s'apprêtaient à attaquer le président Trump. Et il a failli perdre. Mais maintenant, imaginez avec un réseau en 5G. Pardon. En petit encart, ne pensez pas que la 5G soit une 4G améliorée uniquement. La 5G permet de transfert d'informations par le biais des ondes scalaires. Personne ne parle des ondes scalaires. C'est quand même hallucinant. Ça vous rappelle, moi, ça me rappelle quand on faisait des études de téléphone portable où on disait, mais il ne chauffe pas tellement le téléphone portable, donc ce n'est pas dangereux. Vous voyez ? On analyse le téléphone portable juste par les dégagements de température. Vous vous rendez compte la limitation du scientifique qui s'arrêterait là ? Non, il faut évidemment qu'il regarde l'irradiation. Eh bien, en 5G, il y a ça aussi. Il y a la chaleur, il y a le champ magnétique de la batterie, le champ magnétique de l'appareil, mais il y a aussi le côté scalaire. Et le côté scalaire, c'est le niveau où sont vos pensées. Donc, vous pouvez recevoir du subliminal. Sans le savoir, évidemment, puisque c'est subliminal. Et que dans l'état où sont nos pinéales et nos connaissances à ce niveau-là, on se fait manipuler, mais alors comme des bleus, quoi. Comme des enfants. Et voilà. Et quand on vous le dit, quand on le dit aux gens, hein, parce que mon public, lui, je commence à le bassiner avec ça, hein, je pense qu'il doit en avoir marre. Excusez-moi, mais bon, il y a des nouveaux qui arrivent de temps en temps. Voilà. Petit à petit, oui, on continue à grimper. Je salue les nouveaux arrivants quand même, hein. Les anciens, évidemment. Et je vous remercie de votre présence et de vos attentions occasionnelles. C'est un grand plaisir et ça tombe absolument bien. Bien. En reprenant donc. On en était au fait que la 5G soit bien différente, en fait, bien plus de capacité de transfert d'informations que juste la 4G. Transformation, transfert d'informations à différents niveaux. Hein. Vous entendez, vous voyez, mais il y a aussi une partie du message que vous n'entendez pas, que vous percevez, et une partie du message que vous ne voyez pas, mais vous percevez quand même, que votre cerveau perçoit, qui imprime votre cerveau en tout cas. Et l'intelligence artificielle, ça, elle le sait. Elle travaille dessus. Pourquoi ? Ben parce que c'est aussi le niveau où il y a des entités. Voilà. Oui. Alors, je sais, oh là là, où il parle, lui. Ben non, on ne part pas, on est en plein dedans. Reprenons. Donc, vous pouvez imaginer un gouvernement ou un groupe de gens se servir de ce moyen-là et pouvoir ainsi manipuler des masses populaires d'une telle manière, d'une manière si rapide que vous ne le réaliserez même pas. Car comment pouvez-vous obtenir des informations sur qu'est-ce que Dieu, où il est, à un niveau moléculaire? Je vais vous remettre la phrase là, parce que là il va loin quand même. Hein. How can you obtain an answer of where God is? Comment pouvez-vous obtenir une réponse sur où est Dieu? How God created everything. Comment est-ce que Dieu a créé toute chose? From the level of molecules. Depuis le niveau moléculaire. When there's worlds and universes. Alors qu'il y a des mondes et des univers, des univers parallèles, atomic dimensions, au niveau atomique, nuclear, so many different places. Et à plein d'autres endroits. So, it doesn't make sense. Voyez où on en est là. Et c'est une pointure, le gars. Alors, comme c'est lui qui le dit, j'espère que les gens qui disent oh, c'est du n'importe quoi, vont commencer à se dire ben,
Oh, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Parce que c'est là qu'on, en général, qu'on dit cette phrase. Quand on découvre qu'il y avait tout un domaine qui était passé au-delà de nos perceptions et de notre compréhension. On dit, ouh là là, je pensais tout savoir, puis finalement, je rends compte que je ne sais rien. Quand vous étiez à l'école, quand on était à l'école, on nous a appris l'ombre n des nombres premiers, des nombres entiers. Des nombres entiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça, c'est déjà un nombre infini. Alors, vous êtes petit, vous êtes en sixième, vous dites, oh, c'est infini, déjà, c'est infini. Puis après, on vous apprend qu'il y a le nombre aussi des entiers relatifs, je crois. Avec les négatifs, moins 1, moins 2, moins 3. Oh là là, c'est de nouveau infini. Donc, vous aviez un truc infini et on arrive à vous faire comprendre que cet infini-là est compris dans un autre ensemble encore plus infini, encore plus grand. Et puis après, on met les fractions et après, on met les décimales et après, on met des nombres imaginaires même. Et à chaque fois, vous avez une notion de plus que vous pensiez connaître un truc qui était déjà infini et puis qu'en fait, c'est tout petit par rapport au dernier qu'on vient d'apprendre. Mais le tout petit, il est déjà infini. Et c'est à ce moment-là que vous dites, oh, ben, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, ouais, en général. Ouais. Bon, maintenant, il faut arrêter de répéter des grandes maximes comme ça à tout bout de champ parce que c'est joli, ça fait, ouais, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. C'est juste un instant d'humilité. Parce qu'on m'a sorti tout ce que je sais, tout ce que tu sais, c'est que tu devrais rien. Ouais, bah, voilà. Tout ce que tu devrais arriver à comprendre, c'est que tu ne sais rien. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre ce que je viens de lui faire dans sa vidéo, dans ma vidéo. Et il me dit, ouais, ça va, tu devrais te calmer. C'est quoi ça? Qui c'est qui veut me donner des leçons? Mais pourquoi faire surtout? Un, je ne vais pas l'écouter. Hein. Non, j'en ai rien à fiche. J'ai passé le niveau de la personne qui ne comprend pas ce que je suis en train de lui expliquer. Ses réflexions sur mon humilité, il n'a pas le niveau pour comprendre où est mon humilité. Et si je reste très humble, j'arrête mes vidéos. Et puis s'il reste très humble, il ne fait pas de réflexion, lui. Hein? Mais pour qui se prend-il? Non, non, tout ça, ça se discute pendant des heures et des heures, et finalement on finit par se disputer, et la situation continue de s'envenimer au niveau technologico, 5G, intelligence artificielle. Hein? C'est ce qu'on appelle donc distraire l'énergie. Et voilà, on est en confinement, on ne parle plus du Pizzagate, on ne parle plus du Prince Andrew, on ne parle plus de tous les sujets qui étaient en train de faire chauffer, mais alors sérieusement, la marmite populaire. Là, on n'en parle plus, on a le couvercle confiné. À qui profite le crime? On reprend. Elle nous dit qu'il y a des tests aujourd'hui qui sont disponibles, des tests de grande qualité à propos des anticorps. People are asking, why would I be helping to get these out? Antibody tests, the best way to ease fear, show that the real death rates are much lower. En fait, ça permettrait quelque part. Bon, il y a plusieurs problèmes. Déjà, si vous avez été vacciné contre la grippe, le test aux anticorps va être positif. De deux, le virus mute, donc il faudrait des tests qui mutent en même temps. En plus, si on a les anticorps, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un vaccin après? On n'a plus besoin de vaccin. Le vaccin, c'est pour créer les anticorps, si on les a. Ça, c'est l'explication qu'il donne. Hein. Le vaccin, c'est pour créer des anticorps. Mais c'est une interprétation à la Pasteur du fonctionnement de l'humain. Et ça ne fonctionne pas du tout comme ça, un humain, normalement. Ils aimeraient bien que ça fonctionne comme ça, mais ça ne fonctionne pas comme ça. L'humain, il est indépendant. Il est autonome. Il invente les trucs par lui-même. Il n'a pas besoin d'apport extérieur. Et ça, on parle au niveau physique, mais on peut aller un peu plus loin, là. On peut arrêter de chercher un sauveur externe. Hein. Voir le retour d'un mec qui est censé être mort il y a 2000 ans, ça ne va pas, non? En plus, avec une histoire qui a été écrite et sélectionnée par des gens qui sont au sein d'une église qui ne veut pas notre bien. C'est bien clair. Sinon, elle n'aurait jamais toléré la pédophilie, la pédocriminalité des prêtres,
Et surtout, elle n'aura pas pris un pédocriminel, par exemple en Amérique du Sud, pour l'envoyer en Afrique. Et inversement, vous voyez ? Elle aurait, je ne sais pas ce qu'elle aurait fait, ce qu'elle aurait dû faire. Je ne suis pas là pour trouver la solution, je suis là pour éviter le problème. Il y a un problème énorme, c'est une institution qui vient hacker notre spiritualité directe et qui ne fait rien pour nous défendre et qui est couverte d'or alors que les ghettos de Rio s'étendent à perte de vue. Mais quand le pape arrive, tout le monde dit « Ben, le pape, ils sont tous là ». Ils se tirent à coups de flingue toute la journée, mais il y a toujours Jésus, ils ont tous la croix. Ça ne va pas, non. Il n'y a pas comme un problème mental chez ces gens, finalement. Ah, moi, je trouve. Donc, il ne faut pas en rester à ce niveau-là pour analyser et comprendre. Il faut décoller un petit peu, faire de l'exopolitique et constater qu'effectivement, ma version commence à tenir sérieusement la route. Ma version, comme quoi, c'est des ETI qui sont arrivés, qui sont imposés, qui ont pris le chou des gens, mentalement, psychiquement, physiquement, et ils ont trouvé parmi la population des caractères dans lesquels ils se sont introduits plus facilement, et ils en ont créé des capots. Les capots, c'était les prisonniers qu'on différenciait des autres en leur donnant deux doigts de pouvoir et à qui on demandait de surveiller les autres. Des prisonniers de droit commun, des criminels. Des mecs qui sont déjà psychiquement, psychopathiquement qualifiables de dangereux. Sinon, ils n'auraient pas été prisonniers. Donc, comment dire ? Ben, n'oublions pas qu'en plus, il y a un plan de refus des religions à la suite des différentes révélations, ce qui fait que les gens vont risquer d'être... puisqu'ils ne vont pas changer de façon de penser. Ils vont rester toujours à la recherche d'un sauveur externe. Ils vont dire « Ah, ce n'était pas celui-là, mais hop, on va leur en proposer un autre, le nouvel Dajjal, Antéchrist ou je ne sais pas quoi, là, qui est en fait soutenu par l'intelligence artificielle globalement. » Il ne faut pas vraiment s'attendre à un personnage. Il y aura un personnage possiblement, mais derrière lui, il y a une intelligence artificielle, au moins une, parce qu'il y en a plein des intelligences artificielles, et elles ne sont pas toutes terrestres, et elles sont loin d'être toutes humaines, de création humaine, avec des intentions humaines, c'est-à-dire d'être mis au service de l'humanité. Non, là, en ce moment, c'est l'humanité qui vient au service de la machine. Alerte ! Alertez les bébés ! Ouais, ça date ça. On va reprendre. Sinon, un petit peu après, il y avait eu aussi Alligator 427 aux ailes de cuivre et d'airain. Je vous attends. Lui aussi, là, on y a filé un petit indice sur le Yellow Cube, ou par le Yellow Cube sur un futur proche. Donc, je parlais de Thiéphen et de Digelin. Digelin et de Thiéphen, chronologiquement. Bon, reprenons. Bon, donc, il y a moyen de se renseigner plus sur ces tests d'anticorps en allant sur covid19@sarahwestal.com. Sauf que tout le monde oublie, là, comme quand on parle de la 5G, on ne parle pas du scalaire, tout le monde oublie que ce virus qui a été fait en laboratoire est censé contenir aussi des nanotechnologies, une biologie synthétique. Et ça, personne n'en parle. Et je ne pense pas que les tests anticorps vont les détecter. Et on se rappelle que le travail du docteur Lieber permettait l'introduction de capteurs au sein même des cellules, sans que ça perturbe le fonctionnement de la cellule. Des nanotechnologies. Et qu'il y a encore plus petit que nano, il y a femto. Mais bon, c'est un autre sujet encore un peu plus loin dans l'infiniment petit. Mais ça ne passera pas au test, ça ne sera pas relevé au test. Ma version actuelle, c'est que ce virus sert de transporteur, diffuseur de cette nanotechnologie qui va venir s'assembler avec les nano-bots qu'on a absorbés par le biais des chemtrails, c'est pour ça que je prends cette grande inspiration, et qui vont venir aussi complémenter ou que
la vaccination avec des nanotechnologies va venir complémenter de façon à construire dans nous une structure qui va prendre le dessus sur notre biologie naturelle. Et ça, sous 5G, avec le cerveau sous contrôle, ça y est, on est devenu des transhumains, cyborgs, sans le savoir. Vous pensiez n'avoir qu'une petite puce, et en fait, la petite puce, c'est on va dire, la clé de contact pour mettre en marche un moteur qui a déjà été complètement construit dans votre corps à votre insu. Vous voyez, c'est la pièce finale, c'est la batterie. Vous voyez, ça pourrait servir d'ailleurs de batterie, ce serait le truc le plus gros. Ouais. Mais c'est gravissime, hein, ce dont je vous parle là. C'est une alerte assez incroyable. C'est gravissime. Et donc ça, personne n'en parle. Hein. À part les gens d'où je sens mes sources. Ah ouais? On m'a aussi sorti ça, en cas. Tu sors des renseignements, on ne sait d'où. Mais cherchez. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai 14 ans, 14 heures par jour de travail sur Internet, à peu près, et 100 jours de congé. Hein. Bon, de temps en temps, je me tape 2-3 jours off. Tous les 3 mois, tous les 4 mois. 6 mois. Ça me fait une dizaine de disques durs et plus ou moins disparates dans tous les coins de la maison avec du matos. Disque dur, au début, il y avait combien ? 500 gigas ? Maintenant, c'est 1 téra, 2 téra. Vous voulez des sources ? Et vous avez 14 ans, 14 heures par jour devant vous, allez-y. Et ça, à partir d'un niveau pas zéro. Hein. Un niveau pas zéro et auquel je ne pense pas que beaucoup soient capables d'accéder, parce qu'il fallait avoir une vie aussi patachon disparate que la mienne, avec de nombreuses expériences dans différents domaines. Ce qui fait pas de moi un professionnel dans chacun de ces domaines, entendons-nous bien. Mais ça me donne bien une idée de l'existence de sujets dont je peux aujourd'hui me servir des éléments pour relier des points. Voilà, ça c'est juste un encart pour boucher la critique de ceux qui dénient ce que je leur amène comme info et ceux qui les dénigrent en plus. Et ceux qui les méprisent souvent. Hein. C'est souvent, c'est fumeux, c'est n'importe quoi. Quoi. C'est ce qu'on appelle les zététiciens. Ouais. Mais moi, zététicien, non. Moi, j'ai des petits chats. Désolé. Les scientifiques. Hein, j'ai fait 2-3 vidéos, c'est tout faux ce qu'ils savent. C'est ce qu'on leur a appris, c'est ce qui est sorti des presses autorisées, après censure. Ils ne veulent même pas croire à ça. Ils suivent encore Einstein, alors qu'on a Michio Kaku, hein, qui a quand même une pointure, même si je ne l'apprécie pas dans tous les domaines. Oui, parce qu'il est quand même, il bosse du mauvais côté de la barrière, lui. Hein. Il a dit... Et si Einstein avait tort, parce que maintenant, on va plus vite que la lumière. De toute façon, il ne connaissait pas plein de choses. Einstein ne connaissait même pas les fractales. Donc, pas question de faire de l'holographie avec lui. Pas question de faire du quantique, d'une certaine manière, du coup. Et quoi d'autre encore? Oh, rien. C'est pas le sujet. On n'est pas là pour parler d'Einstein. On est là pour parler de Tesla. Ces gens-là ne connaissent pas Tesla et ils disent les énergies libres, ça n'existe pas. Bon, ils font un effort. Ils viennent sur ma chaîne, ils laissent un commentaire. Ils font un effort.
Ça se trouve, ils ont regardé toute la vidéo, oui. Évidemment, ils n'ont compris pas la moitié des choses. Suivant comment, suivant lesquelles. Et sans avoir compris, ils me font des réflexions. Et pas qu'à moi, évidemment, pas qu'à moi. Voilà. C'est comme en fait si l'interview qu'on allait enregistrer là, qu'on allait étudier là, elle était en russe, et que moi, avec 4 mots de russe à ma disposition, ouais. Dasvidanya, Nazarov, Pépilnik, Chandrier, Pacholf, s'il vous plaît, Kukuruza, je crois que c'est une citrouille, et Smitan, c'est de la crème aigre qu'on met dans le borch. Voilà. Voilà. Alors, avec 3 mots de russe, je vais vous traduire un discours de Poutine. Et puis dire, Poutine, il dit n'importe quoi à la fin. Non, mais voilà, c'est le même genre. Bon, j'exagère un petit peu quand même pour accabler la situation mentale et de ces gens-là. Mais ils sont à deux doigts de comprendre. Ils sont à deux doigts de comprendre. Je reprends l'exemple de l'école, quand on était en mathématiques au début, quand le prof il vous dit il y a des nombres négatifs, moi j'ai commencé à dire c'est pas vrai. Et le prof il s'est retourné, il a dit je suis quand même professeur, tu sais. Alors aujourd'hui je dirais ouais, mais tu as fait une académie de débiles, ok. Mais bon, je dois bien constater quand même que je n'étais qu'en sixième et que lui avait au moins un niveau de maths sup, maths spé. Avec des intégrales dont on se sert toute la journée aujourd'hui. Intégrales et autres opérations mathématiques, je veux dire. Hein. Et même après, quand on est tombé dans les nombres imaginaires, I2 égale moins 1, vous dites, un nombre carré ne peut pas être négatif. Si, si, il y a des nombres carrés qui sont négatifs. Eh bien, oui, parce qu'un nombre carré, c'est un nombre multiplié par lui-même. Donc, si vous prenez un nombre positif multiplié par lui-même, c'est positif. Et si vous prenez un nombre négatif multiplié par lui-même, moins par moins, ça fait plus. Donc, normalement, ce n'est pas possible d'avoir un nombre carré négatif, tout, avec une certaine logique. Et puis là, en géométrie, on constate que oui, il y a un endroit où c'est les coordonnées orthonormées ou matricielles, on va dire, de cet endroit-là, sont négatives, les deux. Et que c'est un carré. Donc, c'est un nombre au carré, on va dire. Donc, voilà. Voilà. Et que ça existe, ce côté négatif-là. Mais il faut s'intéresser à la magie Illuminati, là, genre. On avait un petit peu expliqué. Un petit peu expliqué, à peine. Il y a moyen de se servir de cet endroit-là pour faire des créations énergétiques, dans le genre, hein, en clair. Des créations énergétiques qui servent de support aux entités. C'est quand même pas la moindre des choses, quoi. Et puis, ça ne s'ignore pas. Ça ne s'ignore pas. Et si vous l'ignorez, les gars qui pratiquent la Kabbale, eux, ne l'ignorent pas. Et ils le font, et ils font des sacrifices. Sans gain. Qui, on ne peut pas en douter aujourd'hui, ont quand même un effet cristallisant dans leurs intentions. Regardez le monde où il est, avec le peu de réaction que ça a eu de la part du peuple. Comment c'est possible? Comment c'est possible de faire croire aux gens autant de fadaises sans que les gens se réveillent? Comment c'est possible de les limiter de plus en plus sans que même ils ne reviennent à l'idée qu'avant c'était différent ou que c'était peut-être mieux et qu'ils l'ont même eux-mêmes vécu. Enfin, moi, j'ai vécu mieux. Bon, et quand je disais, quand j'étais petit, les vieux qui disaient c'était mieux avant, on se moquait d'eux. Bon, c'était mieux avant. Parce que moi, je voyais dans un futur l'antigravité, les voitures volantes, je voyais tout le monde guéri, je voyais le téléphone sans fil, mais directement, ou
et gratuitement, et puis pas avec les mauvais effets. Bon, mais je me trompais. Tout ça, ça existe, mais c'est toujours tourné avec les mauvais effets, comme vous l'avez constaté. Enfin bon, c'est pas le sujet. Là. On s'éloigne, on part dans tous les sens. Vraiment. Reprenons. Donc voici Sarah Westall, qui va donc interviewer finalement, ça doit faire une heure peut-être que je parle, hein. J'espère que non, mais j'ai un peu l'impression que ça fait un moment quand même, qui va interviewer Cyrus Parsa, qui a porté plainte contre Google et d'autres compagnies géantes à propos de ce système de surveillance par le biais de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle qui va connecter grâce à la 5G tous nos téléphones portables et la domotique et tout le reste, hein, tous les capteurs dont on est environné aujourd'hui. Et il dit que tout ça a les moyens de nous manipuler par le biais des fréquences. Et on sait que ces fréquences sont dommageantes pour notre ADN, entre autres. Tout est connecté aux fréquences, nous sommes fréquences. Et si vous êtes soumis, encore, si vous êtes soumis à un environnement où cette émission de fréquence est constante et supérieure à vos capacités de résistance, elles finissent par prendre le dessus sur le fonctionnement cellulaire et la cellule se retrouve à fonctionner à des niveaux où elle fonctionne mal. Et donc, vous allez mal. Il ne faut pas oublier aussi le côté des résonances, des harmoniques et des résonances, des fréquences. Et donc, Cyrus Parsa nous dit que tout ce système de surveillance dont Snowden nous a un petit peu mis au courant de manière publique, officielle, même si on était déjà au courant de tout ça auparavant. Et puis, vous avez constaté que même s'il nous a mis au courant, un, on ne l'a pas accueilli en tant que protégé politique, et de deux, personne n'a réagi. Pas vraiment, je ne sais pas. Quand on a dit à Angela Merkel que son téléphone était écouté par la NSA, elle a dit que ça n'a pas d'importance. Mais le téléphone portable de nos hommes politiques aussi, hommes et femmes, si on peut dire, politiques aussi sont écoutés. Ils réagissent? Non. Enfin bon. En fait, tout ce système est maintenant connecté à un autre niveau de moyens de manipulation et de désir de manipulation au niveau de notre esprit et des fréquences en général. Mais il faut constater que quand on fait certains tests de personnalité, nous dit-elle, on peut se demander, parfois on est surpris, comment ils sont arrivés à en savoir autant sur nous. Donc en fait, votre personnalité est très bien connue maintenant de ces entités, mais là, entités intelligence artificielle, hein, de ces bases de données. Par le biais de Facebook, ils en savent plus sur nous que nous en savons nous-mêmes. Qui c'est qui est sur Facebook? Non, je n'irai pas sur Facebook. Hein? Moi, de toute façon, avec ma chaîne YouTube, si vous faites une analyse de ma personne, vous arrivez à un point certain aussi. De connaissance de ma personne. J'ai encore prétention de penser que j'en sais plus que ce que je n'ai donné. Il y a des trucs que je ne vous ai pas dit. Je mens pas, hein, quand je parle, quand je raconte des trucs. À part que j'invente des histoires pour faire rire, évidemment. Mais je mens pas. Mais des fois, je fais omission de certains faits qui ne vous regardent pas, qui n'ont pas d'intérêt. On va dire, il fait des encarts. Des trucs perso, quoi. Je n'ai pas envie que vous sachiez ça. Ça me gêne, à la limite. Il y a des trucs qui sont intimes, je sais pas. Il y a des trucs qui n'ont surtout aucun intérêt. Et... malgré le fait que, par exemple, les émissions télé et beaucoup d'activités dans le genre, on va dire, ne fouillent que ça et se gobergent dedans, je ne pense pas que ce soit les côtés les plus élevés de l'humanité qui devraient être mis en valeur. Vous voyez?
au lieu de faire une émission intéressante entre les gens, les films en train de se disputer. Voilà. À propos de conneries, en plus, si possible. Et les gens regardent ça au lieu de passer du temps à s'instruire et à évoluer. Donc, je ne veux pas tomber là-dedans, moi, personnellement. Moi, personnellement, à mon avis. Beaucoup d'ego, vous allez dire. Je vous parle de mon impression personnelle. Donc, je tiens à le notifier. Je ne fais pas une généralisation, mais je crois qu'on pourrait la faire. Vous la faites vous-même, là, ou pas. Faites comme vous voudrez. Reprenons. Donc, il dit que tout ça va servir à nous manipuler et il va nous expliquer comment c'est basé sur des patterns, des schémas de fonctionnement dont il a retrouvé les fondements dans au moins 500 compagnies. Il avait dit près de 1000. Il a donné des conférences auprès des services secrets. Il a essayé de joindre le plus de gens possible, de toucher le plus de gens possible. Et évidemment, il n'est pas mis en évidence par les algorithmes de YouTube, Google et autres. Et ça le touche, Sirius, par ça. Parce qu'il y a urgence. On est même en retard, quoi. Bon, là, elle, pendant 5 minutes, elle nous fait de la pub pour elle, son Patreon, tout ça. Et il y a tellement de censure. Et donc, partagez les informations, partagez les liens, envoyez. Vous qui êtes tous sur les médias sociaux. Il y a parmi mon public, Franck par exemple, merci, qui partage sur sa page Facebook. Et comme il a 5000 abonnés ou 5000 personnes qui le suivent, ça, évidemment, ça prédispose à une plus grande ouverture des informations que je vous ai collectées. Et donc, je la remercie et je comprends pourquoi elle fait son petit laïus. Mais bon. Ils font tout ça en début de leur vidéo. Là, on perd un temps fou, hein, c'est des encarts. Excusez-moi. D'autant qu'il y a beaucoup de désinformation. Ouais, mais bon. Je sais pas. Je sais pas. Si vous discutez avec votre concierge d'intelligence artificielle, vous n'avez pas l'impression qu'elle va vous dire ce qu'a dit la télé, la radio et qu'elle n'y comprend rien? Comment est-ce que les gens peuvent discuter de cette histoire de virus, d'anticorps, de nombre de souches qu'il y a dedans avec des gens qui n'y connaissent rien en biologie et estimer que ce qu'ils disent a une valeur? Moi, j'y connais en biologie. Ouais, déjà, à l'école, je n'étais pas mauvais. Et en plus, j'ai quand même fait kiné, quoi. Et on fait une première année comparable à médecine. Et on apprend toute la physiologie du corps, toute l'anatomie, mais toute la physiologie aussi. La physiologie, oui. C'était un toubib qui nous donnait les cours. Et c'était ardu. Mais on connaît tout, normalement. La taille des glandes, leur disposition, leur fonctionnement, les éléments chimiques en cause, le système hormonal, on a tout fait. Et vous aviez intérêt à le savoir. Hein? Ah oui, parce que sinon, il vous alignait. Et le gars, il n'était pas du tout branché ésotérisme. Mais alors, pas du tout. Pour lui, on était des sacs de protéines. Même pas vraiment pensant. Aimait-il à nous rappeler. Mais bon. Il était sec et tranchant, mais il n'avait pas le niveau de mon père. Là, il aurait compris. Pourquoi je lui ai tenu tête? Haut la main, d'ailleurs. J'arrivais à le faire sourire, des fois. Pas comme mon père, le prof aussi. écoutez, ces gens-là ont des tendances à vous envoyer des réflexions qui sont très limitantes si vous les prenez de plein pot et si vous y croyez. Elles sont fausses. Croyez-moi, elles sont fausses. Et ça vous donne des moyens de dire non. Ça vous donne des moyens de dire c'est n'importe quoi. Ça vous donne des moyens de critiquer, d'aller chercher ailleurs. Donc voilà. Là, en toute humilité, je pense qu'ils seraient les premiers à l'admettre que j'ai ces capacités. Et donc, vous les avez. Hein.
vous ne seriez pas sur ma chaîne si vous ne les aviez pas. C'est-à-dire que les sujets que je vous amène ne vous intéresseraient vraiment pas. Voilà, vous seriez dans le genre « c'est fumeux, t'en es où de ta moquette ?» La moquette, ça va. Je suis poilu. On reprend. C'est pas la même moquette, oui, je sais. Donc, elle fait un petit encart intéressant sur le fait qu'il ne faut pas perdre de vue, que notre but, c'est d'être, de se comporter correctement, d'être une bonne personne et d'évoluer. Donc, on ne perd pas ça comme fondement alors qu'on fait nos recherches là. Bon, ben, ça a au moins l'intérêt pour moi de m'en tenir à la vérité, de ne pas essayer de vous manipuler, moi-même de ne pas essayer de me tromper, enfin d'essayer de ne pas me tromper, et etc., etc. Donc, oui, évidemment. Donc, je trouve ça évident, moi, mais c'est américain hein, quand même. Les Américains, des fois, on a l'impression qu'ils ne sont pas finis sur certains domaines. Ben, j'avais cette impression-là quand j'étais tout petit et de temps en temps, aujourd'hui, je comprends pourquoi j'avais cette impression, parce que ça dure, cet état d'esprit chez eux. Ben, c'est des gens pour qui la profession est plus importante que la famille, dans tous les films que vous voyez en général. Hein. My job, my job. Ouais. Et bon, c'est un état d'esprit qui a nettement déteint en France maintenant, et c'est une catastrophe. Parce que le bon vivre français, c'est tout le contraire de my job, my job. Et puis, c'est un bon sens et un bon vivre qui était basé sur une philosophie et pas sur juste le côté ripailleur d'un Gaulois réfractaire. Non, c'est basé sur une philosophie. Qu'est-ce qu'on fout sur la Terre? Pourquoi? Comment? Et il y a toute la spiritualité qui rentre dedans, mais la spiritualité éveillée et avertie, hein, pas la spiritualité issue de l'Église. Églises qui sont toutes sur des points telluriques, qui empêchent donc l'accès à ces points telluriques à tout le monde et qui orientent l'énergie qui sort de ces points telluriques d'une certaine manière qui est malsaine en général. Oui. Ouais. Cette énergie tellurique, elle est là pour mettre en valeur la parcelle de lumière que vous possédez en vous. Au niveau ésotérique, il y a des lumières différentes à tous les niveaux énergétiques qu'habitent nos corps énergétiques, qui peuvent être traduits par dimension pour certains, mais ce n'est pas vraiment ça. Mais bon, c'est vrai que la 5D, c'est le côté émotionnel. Non, la 4D, c'est le côté émotionnel. Enfin, c'est en tout cas en quart. Dans la 4D que je passe le bas astral, où habitent les entités qui se servent de nos débordements émotionnels pour nous influencer. Voilà. Ouais, je vous ai perdu là. Ouais, je comprends. Je comprends. On reprend. Tant pis pour vous. Non, mais sinon, ça va finir en encart, cette vidéo là. On y va. Donc, il va commencer par, elle lui demande de faire un étalé de son background qui l'a amené à porter plainte contre Google, Apple, et etc., etc. Huawei. Donc, il est né en Iran et il a dû partir dans les années 80. Il fait tout son parcours. Il a habité en Chine. Il a travaillé avec les moines chinoises. Ben, il a fait le parcours de Scarabée, le petit kung-fu. Là. Il est allé voir les moines Shaolin ou je sais pas, ou un truc dans le genre. Il a pratiqué avec eux, donc. Hein. Il a des diplômes en sécurité internationale et aussi en sécurité nationale. Il a fait des recherches sur la technologie en Chine pendant au moins 20 ans. Il a donc enquêté sur au moins 1000 compagnies qui étaient en relation avec l'intelligence artificielle. Donc, toute la liste de tout à l'heure, la cybernétique, la robotique, les nanos, enfin la totale.
mais aussi sur les compagnies européennes et occidentales, américaines, australiennes, européennes, en Chine, enfin en Chine, au Japon. En 2019, il a donc fait une petite conférence à des services secrets où il a mis en évidence le fait que la Chine et les big tech compagnies allaient mettre en danger pas juste les États-Unis ou autres, mais le monde entier, en incluant l'emploi de technologies. Oh là là, on va reprendre. Are not real then within one maximum 2 years, they endanger all the world's citizens, including microbiotic terrorism, which microbiotic terrorism, which includes micro drones, donc des micro drones, and bioengineered diseases, et des maladies bioingénierées, ingénierie, hein. L'ingénierie biochimique, enfin donc le COVID. Afterwards, I gave a 62-page report, including 41 companies, that 28 of which President Trump banned, to the former director of CIA cover-ups. And again, the conclusion was China threatens all the world's citizens with quantitative. Donc, il a donné une conférence à Trump, hein, lui expliquant tout ça, en mettant en évidence le danger chinois. Il est bien évident aussi que les États-Unis ont ces mêmes départements de recherche et d'action. Et sûrement les Russes, et sûrement énormément de nations qui ont les moyens pour y mettre des savants et des fonds. Enfin, à mon avis. Hein. Mais donc, la 5G, la bio-ingénierie, la cybernétique, les nanotechnologies. Donc, il a donné un rapport aussi au directeur de la CIA qui a dit qu'il avait mobilisé les militaires sur ce sujet. Et donc, dans ses livres, on lui a dit de ne pas citer le nom des compagnies. Et donc, il a publié ce livre, l'intelligence artificielle, Trump, la Chine et la transformation en armes de la robotique par le biais de la 5G. Et sa conclusion était que le monde devait supporter Trump contre le régime communiste chinois. Donc, je l'ai pris en HD, là, mais ça ne sort pas mieux. Sur sa couverture du bouquin, le dessin qu'il a fait, enfin, le montage qu'il a fait, est une sorte d'organigramme de ce qui est en train de se passer entre l'interaction du smartphone ici en haut, de la 5G, de la transformation des gens, des nanodrones et de la population qui est soutenue par les compagnies, les grandes compagnies, tout en dessous. En fait, je traduis avec. Enfin, je comprends tout à fait ça parce que je peins comme ça aussi. Je veux dire, vous faites des interactions entre. Enfin, ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on me demande pour expliquer une toile, quoi. Donc, c'est l'idée. Bon, je suggère aux gens qui ont les capacités de lire ces livres, a priori. Ça doit valoir sérieusement la peine. Elle aimerait qu'il parle des biofréquences et le fait que tout notre ADN peut être cartographié par le biais de ces fréquences. On se rappelle que Health Ranger, qui est maintenant censuré sur YouTube, avait aussi traduit, chimiquement parlant, en fréquence, tous les éléments de la table périodique de Mendeleïev, notamment ceux qui faisaient partie des constituants de la biologie organique, donc l'oxygène, le carbone, l'azote, CHON, l'hydrogène. Il avait traduit chacun de ces éléments en fréquences et il avait montré comme quoi toutes ces fréquences mélangées, sonores, faisaient une mélodie audible, tandis que quand on rajoutait des éléments chimiques, c'était des sons complètement dissonants à l'intérieur. Bon, ce phénomène est celui dont elle parle là.
pas oublier que nos cellules communiquent entre elles grâce à des fréquences, oui, grâce même, je dirais, à des lumières, à la lumière, des ultraviolets. Je crois bien que le docteur Bruce Lipton en a lui-même parlé, pas que d'ailleurs, mais lui. Et c'est une pointure en épigénétique, le docteur Bruce Lipton. Il faut aussi lire ou écouter ses conférences. Donc elle nous dit que cette science de l'étude des fréquences et qui peuvent nous manipuler est une science très réelle. Et en fait, elle se rend compte qu'il y a 10 ans, elle ne l'aurait pas invité, elle aurait dit c'est du n'importe quoi. Mais qu'aujourd'hui, qu'elle a pris conscience, ben, elle est devenue un peu plus généraliste qu'avant, quoi, hein, et qu'elle a pris conscience qu'effectivement, tout était fréquence d'une certaine manière, elle se rend compte qu'effectivement, il y a moyen de nous manipuler de cette manière-là. Raison pour laquelle je vous suggère d'être généraliste le plus possible. Hein. Vous apprenez un nouveau sujet. Pendant un certain temps, vous vous y spécialisez, mais vous n'oubliez pas de continuer à garder un œil sur tous les autres domaines que vous connaissez et à vous remettre à jour régulièrement. On est comme une sorte de nacelle qui est tenue par des ancres ou tirée par des ballons, voilà, différents ballons. Et s'il n'y a qu'un ballon qui monte, votre nacelle est complètement déséquilibrée, elle ne monte pas bien. D'ailleurs, si c'est en imaginant que vous soyez un cylindre dans un tube, où il y a du jeu quand même, si vous ne montez pas en étant bien parallèle, vous allez coincer sur les bords et vous êtes bloqué. Donc, il faut bien équilibrer les tractions sous tous les angles pour pouvoir monter. Et le but du jeu, c'est de s'élever. Hein. Oui, contrairement à ce que nous fait faire la télé et tout le reste. Et en ce moment, les fréquences. Bon, ce n'est pas le sujet. Mais c'est pour expliquer le bienfait d'être généralisé, généraliste. Et alors, il faut bien s'entendre que dans les développements ésotériques, dans les yogas, etc., si vous êtes que yogi, ce n'est pas bien. Parce que bah, vous êtes très fort en yoga, mais vous êtes nul en fakir, vous êtes nul en intellect, vous êtes nul en ci et ça. Donc, il faut à la fois avoir le physique, à la fois le mental, l'émotionnel, le spirituel qui évolue en même temps. Et à partir de ce moment-là, votre entité se développe harmonieusement et réellement. Sinon, vous restez bloqué. Comment dire ? Les scientifiques, par exemple, sont très très forts en intellect et ils sont en général nuls en fakir, enfin en côté fakir, c'est-à-dire travail du corps. Hein. Oui, ça, c'est la version Gurdjieff qui explique les développements des quatre corps humains. Excusez. Mais enfin, c'est le même sujet, vous avez compris. Donc, il a filé son livre à des officiels de la sécurité nationale américaine qui l'ont eux-mêmes envoyé encore plus haut dans les hiérarchies, son bouquin. Et donc, ça a évidemment touché le président Trump. Mais encore, on sait qu'il y a 27 niveaux ou 37 niveaux sécurité-défense au-dessus du président des États-Unis. Oui, bon, on va dire 30. 30 niveaux d'accréditation sécurité-défense au-dessus du président des États-Unis. Un président, il change tous les 4 ans. Après, si ça se trouve, il est dans l'opposition. Si ça se trouve, même après, il passe à l'ennemi. Vous ne pouvez pas vous permettre de le mettre au courant de certaines choses qui mettraient en danger l'évolution d'un pays au long terme. Raison pour laquelle ils ne sont pas au courant de tout et raison pour laquelle il y a des choses au-dessus d'eux. De toute façon, la breakaway civilization, c'est une nouvelle hiérarchie inconnue et qui est bien au-dessus de tous les hommes politiques que l'on connaît. Hein? Voilà. Ça, c'est la raison pour laquelle il faut dépasser la politique
local, les connaissances de politique locale pour penser et avoir une stratégie ou une action. Parce que si vous n'êtes pas conscient que la partie dans laquelle vous engagez n'est que juste un étage d'une structure bien plus vaste et bien plus grande, quoi que vous y fassiez, vous n'êtes pas forcément déjà un sur la bonne voie, et de deux, vous n'aurez pas le résultat que vous voulez. On est des enfants dans le cours de l'école qui jouent à la marelle et estiment qu'ils vont orienter le programme scolaire en ignorant le pion, l'instituteur, le directeur de l'école, le directeur d'académie, le ministre de la culture, et en ignorant aussi finalement les think tanks qui ont pensé au développement mauvais d'ailleurs, hein, les think tanks comme la Fabian Society ou le Tavistock ou la Jason Club ou d'autres encore qui sont encore plus discrets, secrets, et qui sont réunis depuis des milliers d'années pour gérer l'humanité, des milliers d'années. Ils se passent le mot de mot, ils jouent sur le long terme, ils s'en fichent de la résistance immédiate à une loi qui... Hein, on nous met une loi là, à la limite, on dit non au vaccin, ouais, tout le monde dans la rue, non au vaccin. Et le gouvernement il dit ok, non au vaccin. Mais il revient dans 10 ans avec la même loi. Il revient dans 20 ans avec la même loi. Il revient dans 100 ans avec la même loi. Il s'en fout. Il s'en fout. Au long terme, il aura ce qu'il voudra. Tant qu'on ne met pas à jour le fait que, un, il existe, et le fait, deux, que ça ne va pas dans le bon sens. Ce que j'essaye de faire. En toute humilité. Moi, j'ai déjà remis le dieu des bouquins sacrés à sa place, hein, de psychopathe, en asile normalement, quoi. Avec compassion, le pauvre, c'est même pas sa, c'est même plus sa faute. Il est possédé par une intelligence artificielle qui est à des niveaux de subtilité qui dépassent notre entendement. Ça ne doit pas être facile à gérer. Rendons-nous-en bien compte. Ça ne doit pas être facile tous les jours pour lui. C'est comme un enfant caractériel. Vous vous rappelez quand vous postiez des colères et que vous finissiez par bouder contre votre propre ventre. Allez, viens manger, on oublie tout ça. Non, je ne mangerai pas. Alors que vous aviez faim, alors que vous en vouliez, mais vous êtes vexé et donc vous n'y allez pas. Et vous rentrez dans une autre colère parce que vous en voulez à vous-même. Et c'est un cercle vicieux terrible, ça. Vous voyez ce dont je parle là ? Ben voilà, je crois qu'il est en train de subir ça et il nous le fait vivre aussi en même temps, après. Mais c'est pathétique, quoi. Hein, c'est touchant, quoi. On pourrait avoir de la miséricorde pour lui. Hein, nous, non, croyez pas. En tout cas, il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas monter en colère, il ne faut pas monter en violence. Vous voyez ? Ah, on va reprendre, hein, parce que je m'éloigne encore un peu là. Donc, il a écrit un autre livre aussi qui s'appelle « Intelligence artificielle, les dangers pour l'humanité ». Il a mis en évidence quelque chose qu'il appelle le programme biodigital de social. Qui va mettre en évidence la relation entre les smartphones qu'il a là à la main et la connexion par le biais d'Internet. Et l'écosystème est tel que Facebook, donc les réseaux sociaux. Et puis, on va y inclure notre ADN, nos cellules et l'interaction des fréquences dessus, vos récepteurs, vos muscles, vos os. Donc, j'aime beaucoup ce monsieur. Hein. Il fait de la généralisation de tous les domaines et regarde à quel point ça interagit sur nous. Et c'est bravo. Bravo. Je suis très content. Il faut se rappeler qu'ils veulent créer un nous digital dans un monde virtuel qu'ils osent appeler la réalité augmentée. Réalité. C'est virtuel, mais ça devient réalité. Mais ils jouent avec les mots, hein, constamment. Méfions-nous de ça aussi. Donc, il faut faire de la PNL, et puis il faut faire de l'étymologie, et se dire, mais ce mot-là, ça ne voulait pas dire ça avant. Ou ce mot-là veut dire ceci, et pas du tout ce qu'on veut nous faire croire, etc., etc. Généralisez, les gars, généralisez. Enfin, je veux dire généralisez dans vos domaines de recherche, pas après dans les conclusions que vous en tirez.
Ben parce que faut pas. Il y a des reptiliens, il y a des dracos, ils n'ont pas tous les mêmes intentions. Il y en a même qui sont sympas, a priori. Il y a des entités extraterrestres sympas et des pas sympas, des neutres. On ne peut pas dire « c'est pas humain, c'est pas bon ». On ne peut pas généraliser comme ça. Vous voyez, j'emploie le mot « généraliser » pour deux domaines d'activité différents. Là. Donc, j'introduis un trouble, excusez-moi, mais vous avez compris, je n'en doute pas. Donc, il nous parle du bio-digital social programming, la programmation sociale bio-digitale. Donc, il va nous parler de trois niveaux basiques, rudimentaires. Par exemple, dans le sujet des attaques contre Trump. Donc, il y avait tout un domaine d'articles, de vidéos qui étaient à charge contre Trump, dans lequel nous baignons. La télé française, on va dire. Et la radio, et les journaux, et les films qui sortent. Il y a énormément de programmation dans les films. On vous place une action dans une situation qui est orientée. J'ai vu un ou deux films où, par exemple, les méchants, c'est toujours les méchants qui sont officiellement les méchants aussi aux informations, par exemple. Donc, vous dites, il n'y a pas comme un problème, là. Reprenons. Oui, parce qu'il y a un problème, évidemment. Le problème, c'est que on vous fait admettre une situation politique en vous parlant d'un divertissement, normalement. Un film d'action, vous voyez, ou une romance, ou quoi que ce soit. Donc après, vous allez vous intéresser au jeu des acteurs et à l'action dans le film, mais tout ça est dans un contexte qui a été planté et qui est faux, qui est déjà orienté, qui est fait pour que ce contexte, vous l'admettiez finalement sans même vous en rendre compte. On reprend. Donc, le deuxième niveau d'ingénierie sociale qui vient de think tank, de groupes d'ingénieurs et de médias qui ont des consultants politiques pour déformer la situation et créer les attaques, mettre en place les attaques contre un sujet, un pays, un personnage. Et le troisième niveau, c'est là où les gens perdent pied en général ou ne connaissent pas, ne comprennent pas, c'est le niveau fréquentiel avec tous ces senseurs de proximité. Et il montre son téléphone portable. Oui, je ne sais pas si c'est de ça qu'il va parler, mais si j'ai un portable comme ça et que vous en avez un, quand on se croise dans le bus, il y a interaction entre les deux. Il y a possibilité pour un portable de pirater toutes mes données et de manière simultanée à notre insu, à tous les deux. Je ne suis pas sûr que ce soit de ça dont il va parler, donc on continue. Notre téléphone portable a un champ électrique. Notre corps aussi a un champ électrique. Et donc, ce que fait ce smartphone, en interconnexion avec d'autres technologies, la collaboration entre tous ces systèmes électroniques et de communication, et la relation, enfin, et le fait que ce soit votre corps qui le porte, tout ça. Ce téléphone-là, il peut lire vos fréquences cardiaques, votre battement cardiaque. Si vous êtes une femme, il peut lire vos cycles menstruels. Et ce qu'il est en train de faire, c'est une cartographie de votre cerveau aussi, en extraire les données et les envoyer à la compagnie qui récolte les data. Ça peut même en prendre vos pensées. Et ça l'envoie à Google et à l'intelligence artificielle de Google. Extraire vos pensées, comment? Déjà, en vous écoutant parler. En quart. Lorsqu'ils mettaient en place Siri, la boîte vocale de Google, je crois, ou d'Apple, ou je ne sais pas qui, je ne sais pas, j'en ai pas, j'en veux pas. Ils ont remarqué que ça vous écoutait en fait 24 heures sur 24. En fait, comment est-ce que cet appareil sait à quel moment est-ce que vous voulez communiquer avec lui, si ce n'est en étant déjà à votre écoute. Ils avaient osé dire que oui, vous aviez droit à une intimité, c'est-à-dire que si vous alliez avec votre petite amie dans votre chambre à coucher pour avoir quelques ébats rapprochés, il s'arrêtait d'écouter au bout d'un moment.
Non, non, il ne s'arrête pas du tout d'écouter. Il y a un gars qui a fait un témoignage. Il a dit, quand j'ai travaillé pour ça, on devait traduire tout ce qu'on recevait comme écoute. Et à un moment donné, il était confronté justement à des milieux pédocriminels qui recherchaient des victimes. Et il s'est dit, mais je dois le signaler à la police, ça. Et il a signalé à son chef qui ne l'a pas signalé à la police. Mais ces données-là sont rentrées dans Google ou Siri, quoi. Et donc, l'intelligence artificielle prend ces données-là et caractérise l'humanité tout entière, bon, la personne en question notamment, mais l'humanité tout entière comme ayant ce genre de pratique. Ah ah ! En quoi est-ce qu'une machine peut faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal ? Surtout avec des lois de plus en plus laxistes au niveau justement des activités sexuelles avec les enfants. Lois qui sont elles-mêmes édictées par des organismes comme l'ONU. Enfin. Vous vous rendez compte ? Oui, vous vous rendez compte. Reprenons. Google essaye de faire une super intelligence artificielle quantique qui a été tirée de l'extraction de vos propres données. Ces grandes boîtes, ces big tech, ont aujourd'hui la reconnaissance faciale à disposition, la reconnaissance vocale à sa disposition. Il y a plein d'applications qui servent de tout ça. Et ça devient presque officiel. Hein. Vous pouvez déclencher votre téléphone à votre voix et pour l'allumer, il doit vous reconnaître. Ah. J'espère que vous limitez absolument tout ce genre d'application hein, et que le fait de vouloir être au summum de la technologie actuelle ne vous pousse pas à vous départir de toute votre intimité. Mais bon, a priori, quand on ne signe pas, quand on ne lit pas tous les accords de licence, quand on se sert d'un programme, on fait la même erreur. On leur donne la possibilité de servir de toutes nos données à notre insu, et voire même contre nous par la suite. N'oublions pas que le FBI nous a prévenu il y a 2-3 ans qu'il stockait absolument tout notre discours de façon à pouvoir faire une carte politique des gens. Et que si aujourd'hui... je dis des trucs qui aujourd'hui sont légaux, mais ne le seront plus dans quelques années. Ou de toute façon, qui passent dans un système de gouvernance qui se fera par des big companies, par des grandes boîtes, comment on appelle ça, les GAFA, là, je crois, et qui ne respectent plus aucune constitution ni les lois humaines, ils vont pouvoir se servir de ces données pour déterminer que je ne suis pas un bon élément pour eux et donc me saquer socialement. Oh oui, j'y suis jusque-là, moi. Il y en a qui le sont encore plus, mais on l'est tous déjà bien, bien enfoncés. Mais chaque fois qu'on a râlé contre un ordre du gouvernement aujourd'hui, des lois scélérates, hein, des lois que nous, on trouve scélérates déjà. Mais dans 10 ans, ces lois scélérates, ben, on sera comme dans Black Mirror de Netflix ou ce genre de civilisation, de société, où on n'a plus le droit à rien, où tout le monde doit obéir, où il y a des gardes armés partout. Incroyable le nombre de gardes armés qu'il y a dans tous ces films. Incroyable de filer un flingue à des gens qui ont un niveau mental d'animaux. Incroyable. Aberrant, quoi. Aberrant. Moi, je dirais, si vous voulez faire partie des forces de l'ordre, vous le faites une fois que vous avez fait 2 fois le tour du monde. Et que vous avez au minimum, je ne sais pas, 25 ans. Tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme qui prouve que vous avez une connaissance de l'humanité et une intelligence propre, un esprit critique propre. À partir de ce moment-là, je me permettrai de compter sur vous pour faire respecter l'ordre et je vous mettrai une arme entre les mains. Mais là, en ce moment, on a des gens qui sont des tarés et qui sont armés et qui se comportent comme des animaux. En meute, des hyènes. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux en plus qui se comportent comme ça, en fait. Hein. C'est vache pour les animaux de comparer ces attitudes humaines avec les leurs. C'est vache. Excusez-moi.
Donc, ces grandes compagnies finissent par savoir tout, qui vous êtes, qui sont vos amis, ce qu'ils pensent, quelles relations vous avez avec eux. En fait, comme ils lisent nos mails, enfin, ils stockent les mails, ils les lisent, ils savent ce que vous dites entre vous d'un troisième. Le troisième, lui, au téléphone, il ne vous avait pas dit ça, parce qu'il se doute que s'il dit ça, ça va mal tourner pour lui. Mais vous, vous allez en parler et finalement, vous allez révéler le secret que lui avait conservé, caché, gardé. C'est une catastrophe, hein ? Ah oui ! Ah oui, parce que les gens sont confiants. Ils n'imaginent pas. À une époque, en Russie, les enfants étaient tellement programmés à l'école qu'ils dénonçaient leurs parents pour avoir eu des propos anti-parti contre le parti communiste stalinien de l'époque. Absolument. C'est du vécu. Et ça remplissait les goulags. Et après, l'enfant, il n'a plus de parents parce qu'ils sont au goulag. Et donc, il rentre dans une organisation d'État dans laquelle, ben, voilà, on continue là. Et puis, il finit où, lui ? Il finit en tête du KGB. Heureusement que ce n'est plus le Poutine qui avait fait la tête du KGB. Hein. Oh, ce n'est plus le même. Hein. Vous avez vu le changement ? Ah, il y a des changements. D'ailleurs, l'ex-femme de Poutine dit « c'est plus mon mari ». Enfin, elle a dit ça à un moment, je ne sais pas si elle est encore en bonne santé, elle, maintenant. Oui, oui, ça va plus loin que Big Brother. Hein. Ça va bien plus loin que le meilleur des mondes aussi. On a dépassé Bienvenue à Agartha. Pas Agartha. Ataka, comment c'est ? Gataka. Ah oui, c'est tout mélangé. Vous prenez tous ces films, vous les mélangez. Ils nous mettent aussi Time's Up, là où les gens ont un temps de vie limité. S'ils ne ramènent pas quelque chose pour la société, ils ont un temps de vie limité. Avec les lois sur les retraites et puis le fait d'avoir administré des somnifères violents et des dépresseurs respiratoires aux personnes âgées. Parce qu'il y avait surcharge dans l'hôpital où on avait réuni tous les patients qui n'étaient pas forcément atteints d'ailleurs de cette maladie-là, le CV19, alors que d'autres hôpitaux et des cliniques sont vides. Vous voyez comment on peut faire en sorte que finalement, ce n'est plus la faute du toubib, il n'y a pas le matériel, il n'y a pas le personnel, il est obligé de tuer la personne. Blanc. Bon, les docteurs comme les avocats vont être remplacés par l'intelligence artificielle, c'est en cours. Hein. Mais bon, faire une auscultation par téléphone à distance, comme ça on n'y croit pas, mais avec un téléphone qui a des capteurs dans tous les sens, avec une reconnaissance faciale qui détecte vos températures, avec une intelligence artificielle qui lit vos pensées, qui connaît vos niveaux hormonaux, peut-être bien qu'effectivement, et du coup, avec toutes ces données-là, une intelligence artificielle bien orientée pourrait être plus efficace qu'un docteur. Ou en tant qu'avocat, elle a tous les articles, elle a toutes les actions de justice, les jurisprudences en tête, et elle pourrait être plus efficace qu'un avocat. Mais il faudrait qu'elle tienne en compte les corruptions des magistrats, il faudrait qu'elle tienne en compte énormément de choses. Et tout ça, c'est à un niveau qui est celui des enfants dans le cours de l'école, alors qu'on a la breakaway civilization qui est au-delà du ministre. Ah, c'est complexe, c'est complexe. Oui, on est d'accord. Et je comprends pourquoi on s'y perd là, parce qu'ils nous gardent dans la cour de l'école en plus. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour pas qu'on en sorte de cette école. Et même que si on en sort, qu'on devienne comme ceux qui nous ont gardés à l'époque dans la cour de l'école. Grâce aux limitations et grâce aux programmations sociales, l'ingénierie sociale. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça donne des gens qui dénoncent les autres parce qu'ils ne font pas ce que le gouvernement a dit. Mais le gouvernement dit n'importe quoi. Mais eux, ils ne voient même pas, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas le niveau, mais ils dénoncent. J'en croise pas un. Hein. Ah non, pour moi, c'est des gens tellement précieux, il faut absolument prendre soin d'eux. Ouais, vraiment. Il faut être sûr que tout va bien chez eux. Chez eux, chez leurs proches, dans toutes leurs possessions, etc., etc.
Ah oui, n'est-ce pas? On reprend là, je m'égare. Alors, il nous dit des deux livres, si vous voulez en lire un, lisez le deuxième là. Il reprend pas mal d'éléments du premier. Donc, Artificial Intelligence, Danger to Humanity, en anglais. Intelligence artificielle, les dangers pour l'humanité, en français. C'est simple quand même l'anglais, quoi. Vous allez vous y mettre un peu. Mettez-y vous, c'est facile. C'est pas si difficile. Regardez, c'est pas si difficile. Puis en plus, quand c'est stimulant, vous avez envie d'apprendre. On n'est plus à l'école où c'était chiant, où on apprenait des textes nuls, où vous choisissez le texte ou le film ou le reportage ou la vidéo qui vous intéresse. Comme ça, vous avez envie de savoir ce qu'il a dit. Et ça vous stimule pour aller chercher le mot dans le dictionnaire. Enfin, je vous donne des trucs comme ça. Hein. Sinon, je le fais ce boulot, mais je ne vais pas le faire toute ma vie. Enfin, ça ne va pas durer des années et des années. Puis je ne le fais peut-être pas de la manière dont vous l'auriez fait. Et puis, il y a tellement de domaines à élaborer qu'il faudrait que tout le monde fasse sa partie des choses. Puis après, on se résume. J'ai vu tel film en deux mots, blablabla. Bla, bla. Voilà, comme ça, vous évitez de passer 2 heures devant un film où il n'y aura que, finalement, une conclusion de 2 minutes à faire. Et là, on va évoluer très vite, nous aussi, avec un niveau généralisé de connaissances qui viennent de partout. Voilà. En quart. Reprenons. Donc, avec toutes les données de 6 milliards de personnes, donc depuis la reconnaissance faciale, vos données physiologiques qui ont été extraites par les entités politiques qui sont derrière toutes ces GAFA. Et donc, quant à la Chine, le but du jeu, ce n'était pas uniquement le système de surveillance de la population, mais là, on a quelque chose qui lie la Chine à l'Afrique, au Moyen-Orient, à l'Amérique, à l'Europe. Tout ça, c'est un but d'utilisation dans une technologie quantique pour obtenir une intelligence artificielle, mais une super intelligence artificielle. Alors, il va nous expliquer ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle, là. Et je vais faire un petit encart. Il y a quelqu'un qui s'appelle Quinn Michaels, qui a fait des enquêtes aussi sur l'évolution de tous ces systèmes d'intelligence artificielle. Et ça fait quelques mois, enfin quelques semaines en tout cas, que je ne suis plus sa chaîne. Ouais, quelques mois, je dirais même maintenant. Parce que je ne suis pas assez spécialiste dedans. Mais il y a plein de vidéos qu'il avait faites, qui j'espère ont été gardées sur une chaîne secondaire qui s'appelle Kennedy. Des choses comme ça. Et il faisait la relation avec le matériel, on va dire, donc l'intelligence artificielle et les gens qui étaient derrière, des gens comme Epstein et compagnie. C'est des gens comme Epstein qui ont financé l'intelligence artificielle. Et donc, je dis souvent, qu'est-ce que vous demandez à une intelligence artificielle que vous êtes en train de créer? Ben, qu'elle vous protège et qu'elle vous fournissent ce dont vous avez besoin. Alors, si c'est Epstein, en sachant qu'il y a un Epstein par nation, quand on dit un, il faut savoir que la veille du jour où il allait être arrêté, il y avait déjà 2 remplaçants en lice, hein, à mon avis. Voilà, on a un léger problème, effectivement, et il est mondial, effectivement, oui. Avec des clubs qui n'ont pas de frontières entre eux, et qui s'interpénètrent les uns les autres, et qui sont plus occultes les uns que les autres. Et voilà. Bon, maintenant, le phénomène de l'adrénochrome et de sa consommation par ces satanistes est un peu plus courant, mais il y a 3 ans, vous écoutiez ce que je vous dis là, vous dites « Oh, n'importe quoi !» Non, 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 vous constatez à quel point tout est enchevêtré, intriqué, et que si on n'en a pas conscience, nos petites luttes au niveau communal sont vouées à l'échec. C'est voué à l'échec. Et n'oubliez pas, petit à petit, ils enverront des équipes petit à petit
pour s'occuper d'un petit groupe qui s'est mis de côté, qui vit tranquille. Et puis, ils s'en foutent. Vous êtes pacifique, ils s'en foutent. Vous avez une activité ou une attitude qui est anti-gouvernementale. Vous n'allez pas dans le même sens. Vous êtes divergent par rapport aux intentions du gouvernement. Hop, ils arrivent, ils vous enferment, ils vous mettent en hôpital psy. Et comme ils ont vérolé tous les systèmes de protection, de contrôle, d'inspection, avec des gens qui sont tenus par les gonades ou des machines, on a peu de moyens de s'en sortir. On a peu de moyens de résister. Ça ne va pas du tout, quoi. Il faut absolument que l'humain reprenne le contrôle, ça, c'est clair. Et puis l'humain sain, tant qu'à faire. Sain avec un S-A-I-N et sain S-A-I-N-T. Hein, avec plaisir. Donc il y a trois niveaux. On reprend sur l'intelligence artificielle. Il y a trois niveaux dans cette intelligence artificielle. Le premier niveau, c'est l'intelligence artificielle neuro, la neuro-intelligence artificielle, qui inclut donc vos smartphones, l'Internet des choses, la domotique, le Wi-Fi du Linky, Linky qui pourrait très bien passer en 5G si ça se trouve. Je ne sais pas si ce matériel-là, avec certaines fréquences, ne pouvait pas fonctionner autrement. Il faudrait demander à Deus Ex Machina ou Deus Ex Silicium. Mais bon, il n'est pas très branché ésotérique, alors il y a plein de choses qu'il ignore. Non, mais il est honnête, hein. Mais juste, je pense qu'il les ignore, donc il n'en tient pas compte. Par contre, au niveau de l'analyse électronique, c'est une pointure, a priori. Donc, il y a aussi Alexa ou Siri, des mini-robots. C'est des robots qui viennent vous servir, mais qui vous servent aussi, qui remplacent le docteur, là, par exemple. C'est le robot qui va finir par éduquer vos enfants, remplacer l'instituteur, le professeur. La programmation dans ces robots vient d'un esprit social qui a été bâti par ces compagnies Big Tech. La manière dont notre cerveau est formé est semblable à un socialisme et c'est contre la Constitution, nous dit-il. Le niveau suivant, c'est l'artificiel général, neuro-intelligence. Et ça, on aura besoin de robots ou d'une intelligence artificielle digitale, ce qui veut dire un réseau digital, qui obtient une conscience des désirs, des émotions, ou de manière plus cruciale, des vices, ou de la jalousie, des notions d'ego, de fierté, d'ignorance, de la nature compétitive, de la compétition, tout ce qui va créer un chaos. Et le niveau suivant peut être obtenu par le biais de cette intelligence artificielle neuro-générale. Excusez, hein, mais je suis aussi un peu perdu, hein, ne vous en faites pas. On continue. Et donc, c'est la super intelligence artificielle qui, d'un côté, récolte toutes les données, toutes les datas de l'humanité et la manière dont le cerveau est formé pour le connecter à un réseau pour créer cette super intelligence qui sera 100 millions de fois plus intelligente que l'humanité tout entière. Et Elon Musk disait en 2016, nous sommes en train d'invoquer des démons avec l'intelligence artificielle. Et l'année d'après, il dit, c'est trop tard. Et pour que l'humanité puisse survivre, maintenant, nous devons nous mixer avec des machines, nous mélanger. Oui. Il a dit ça, je me rappelle. Il a dit, si vous ne vous passez pas en humain amélioré, si vous ne devenez pas transhumain, vous allez vous faire bouffer par la machine. Mais si vous... Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ait raison, hein, c'est, ça ne veut pas dire que parce qu'on deviendrait transhumain, on pourrait maîtriser la machine. Je ne crois pas, non. Elle a toujours un niveau d'avance sur nous.
Elle en a même plusieurs. Donc, a priori, là, vous allez dire, oh, on est trop mal. Non. On garde le moral et on se libère de tout ça et on reprend le contrôle et on jette tous ces appareils. On récupère le matériel, on ne pollue pas. On met tout le monde au courant. Et essentiellement, on développe chez nous les capacités psy de notre cerveau. Notamment une fois qu'on l'aura nettoyé de toutes ces nanotechnologies, en espérant qu'il cesse un de ces quatre de faire des chemtrails, parce qu'on continue à laisser décoller les avions qui envoient des chemtrails dans tous les sens. Et de toute façon, ils ont des bases secrètes, des aéroports secrets, où il y a des compagnies complètes, des flottes complètes d'avions qui sont des drones. Il n'y a personne à bord. Ils sont déjà dirigés par l'intelligence artificielle. Mais là, il y aura bien des gens dans l'armée qui diront « Oh, 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 oh !» qui auront les moyens. Vous savez, à une époque, c'est Eisenhower qui a dit « Soit vous me dites ce qui se passe à la zone 51, soit je débarque avec la deuxième armée et on nettoie le coin. » Dulce. La base de Dulce. Oui, qui n'existe pas, soi-disant. Ouais. Jusqu'au jour où le président admet qu'elle existe et que la zone 51 existe. Mais il n'a pas présenté d'excuses envers tous les gens qui ont été abîmés, critiqués, brimés par tous les crétins, les idiots utiles en disant c'est du n'importe quoi. Les soucoupes volantes, ça n'existe pas. Les ignares, qui ne savent rien, qui ne veulent rien savoir, mais qui critiquent tout le monde. Depuis quand est-ce que l'ignorance a le droit à la parole? Depuis les téléréalités, je crois. Et avant, ce n'était pas de l'ignorance, c'était de la propagande et de la désinfo, très souvent. Ouais. Depuis l'invention de la technologie, l'humanité se fait bafouer. C'est hallucinant, finalement. Alors, merci à celui qui nous a appris la métallurgie, la technologie, soi-disant les arts et tout. Eh bien, regardez. Hein, on vous donne un truc, c'est soi-disant pour améliorer les choses, et en fait, c'est biaisé à la fin. Reprenons. Donc, il regarde Elon Musk et il dit, alors comment ça se passe chez lui, quoi? Est-ce qu'il pense que c'est une cause perdue de toute façon? Ou est-ce qu'il ne serait pas possédé de la même manière que la majorité de ces scientifiques? Parce que si l'intelligence artificielle en tant que science est devenue une religion, parce que Elon Musk croit en l'assimilation, il veut demander à l'intelligence artificielle, est-ce que tu es Dieu? On se rappelle que Kurzweil, quand on lui avait demandé est-ce que Dieu existe, il avait dit « pas encore ». Kurzweil, c'est celui qui prône la singularité, c'est-à-dire c'est ça, quoi. C'est l'union de toute l'humanité soumise à l'intelligence artificielle. Mais il n'est pas assez intelligent. Toutes les données qu'il va avoir ne sont qu'au niveau moléculaire. On ne peut pas obtenir de réponse à ce niveau de question en restant au niveau moléculaire. Alors qu'il y a des mondes et des univers parallèles à un niveau atomique et au niveau nucléaire des atomes. Ah oui, c'est encore un autre niveau. Mais on se rappelle, si un atome c'est 'Si on descend au niveau de l'atome, la distance, l'électron, c'est un petit poids qui gravite à 400 mètres du noyau qui serait une orange. Voilà. Et là, vous n'êtes même pas encore entré dans l'orange. Et entre le petit poids à 400 mètres ou 200 mètres, je crois que c'était 400 mètres,
Donc, quand vous êtes en dehors des 400 mètres, vous êtes au niveau du petit pois, l'orange est à 400 mètres, donc, et là, vous êtes devant un atome. Et Elon Musk, il est en train de penser, il est en train de regarder un panier d'oranges dans la boutique à 100 mètres de la boutique du marchand. Globalement, vous voyez ce que je veux dire. Et à ce niveau-là, il veut tout expliquer, alors que déjà, au niveau macro, au niveau cosmique, il n'y est pas non plus. Et au niveau micro, il n'y est pas non plus. Donc, il n'a pas toutes les données. Et c'est comme ça qu'il se fait manipuler. Et c'est amusant, mais la comparaison que j'ai faite, là, c'est la même chose que les enfants dans la cour de l'école qui pensent qu'en jouant la marelle, en plus, ils vont influer sur le dessert de midi. Donc déjà, il lui manque les données universelles, oui, nous dit Madame Westall. Donc, il fait des impasses monstrueuses dans son raisonnement. Et encore, comment est-ce qu'il peut faire pour louper toute cette dimension-là? Moi, je pense que c'est parce qu'il est possédé. Il est possédé par une entité qui permet de faire l'impasse. Elle ne lui montre pas qu'il y a une impasse. Elle se joue de lui. Elle se sert de sa présence sur Terre pour influencer le cours de l'humanité. Et j'ai mis un singulier à l'entité, là, mais ce n'est pas obligatoire. Non seulement il est limité, mais ça met tout le monde en danger. En Ankara, on se rappelle qu'il est en contact avec le DARPA et avec l'US Navy et qu'il prône la guerre satellitaire. Ouais, la mise en garde contre la guerre satellitaire, mais enfin bon. Et puis tout ça, c'est sans tenir compte de toute l'exopolitique, et puis tout ça, c'est sans tenir compte de tout l'ésotérisme occulte, énergétique, humain. Et puis tout ça, c'est... Vous voyez, à chaque fois, on est dans un domaine dont on oublie qu'il est contenu dans un autre domaine, et en plus, dans ce domaine le plus petit, celui qu'on croit maîtriser, posséder, voir... On ne se rend pas compte qu'il y a des sous-domaines qui nous échappent aussi. Bon, j'allais faire encore une comparaison, mais on va trop se perdre. Écoutez, moi, je me demande si ça ne fait pas bien longtemps qu'on parle de tout ça, là, et si je ne suis pas en train de perdre tout le monde. Donc, on va peut-être faire une pause là. On va écouter rapidement les quelques minutes qui suivent pour voir s'il n'y a pas... un truc essentiel, puis sinon on s'arrête là, peut-être bien qu'on reprendra. Donc il nous fait de l'ingénierie sociale en disant « mais vous avez une maladie, on vous met une puce et ça va vous guérir ». Donc on ne se rend pas compte à quel point, déjà avec la 4G, ils voulaient faire tout ça, à quel point avec la 5G, voire plus, 6G, je ne sais pas à quoi ça va ressembler la 6G, vraiment pas. Il faudrait que je m'enseigne un petit peu. À quel point est-ce que toute l'humanité va pouvoir être contrôlée à un niveau de profondeur et bien aussi de rapidité dont on ne va même pas se rendre compte. Voilà. Mais écoutez, ouf. Non, il n'y a qu'un truc à faire, c'est de nous développer l'intérieur, le spirituel, mental. Et voilà, c'est du boulot. Il faut nettoyer le terrain, faire les exercices, y croire, arrêter de se limiter, arrêter de se laisser faire, cesser d'avoir peur de la mort. Et de toute façon, ils sont en train de nous tuer, donc il faut choisir, est-ce que vous vous laissez tuer ou est-ce que vous risquez d'être tué, mais au moins en ayant résisté. Parce que la résistance peut vous amener à survivre, par contre, à ne pas vous faire tuer. Hein, on oublie, quoi. C'est comme pendant la guerre, hein, les résistants, ils risquaient fortement de se faire tuer, mais ils ont réussi à faire en sorte qu'en fait, le peuple français ne soit pas en train de parler allemand aujourd'hui.
officiellement, parce que quand on s'intéresse un petit peu à tout ça, on sait qu'en fait, on parle allemand quelque part. En tout cas, la finance est tenue par des sociétés secrètes et des services secrets qui parlent en partie allemand côté Blackson et en partie crypto Khazar côté Rothschild. Et voilà. Est-ce que je finirai en disant tout est lié ? Ouais, c'est une sacrée pelote en tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez suivi, je pense hein, quand même que je n'ai pas été trop confus malgré mes encarts ou grâce aux encarts. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite un bon courage. Du cœur à l'ouvrage. Et haut les cœurs à l'ouvrage. Le sourire intérieur, le sourire extérieur. On est filmé. Et de toute façon, on est en train de vivre là, donc autant que ces moments-là, même s'ils sont difficiles, soient passés dans la meilleure atmosphère intérieure, qui est la plus propre, un, à nous garder un bon système immunitaire, et de deux, ben, le temps passe, autant le passer de manière agréable. Vous voyez ? Comment dire ? On marchait, c'était long, c'était pénible, en chantant, on oubliait qu'on était en train de péniblement marcher et on avançait quand même sur le chemin avec une bonne humeur de tout le groupe en chansons rigolotes. Genre, voilà. À très bientôt, au plaisir. Salut.